acclamation à Jésus de Nazareth. Let us bring to Jesus. Avec des cris de joie et de victoire. Il est le bon berger, Jésus.
Somebody reads for us Romans 1 from verse 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la postérité d'Adam selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi
tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints par la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi. Car je désire vous voir. Je désire vous voir. I desire to see you. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. That I may impart to you some spiritual gift. Afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis. So that you may be strengthened. Ou plutôt. Afin que nous soyons encouragés ensemble. Afin que nous soyons encouragés ensemble. That I may be encouraged together with you. C'est ce qui s'est passé ici pendant 60 jours. This is what happened here all along 60 days. Communiquer les dons spirituels. Communicate, impart spiritual gifts. Et nous encourager réciproquement. And encourage one another. On peut communiquer les dons. We can transmit, impart. On peut communiquer le courage. We can impart courage. On peut communiquer le zèle. We can impart zeal. On peut communiquer la fidélité. We can impart faithfulness. On peut communiquer la foi. We can impart faith. C'est pour cette raison qu'en Israël. That's why in Israel, Dieu avait dit, God said, que si un soldat manque de courage, qu'il rentre à la maison. That if a soldier lacks courage, he goes back home. Parce qu'il peut contaminer les autres. Because he can contaminate the others. On peut te contaminer positivement. You can be contaminated positively. On peut te contaminer négativement. You can be contaminated negatively. Vous avez été touché positivement. You've been moved positively. En entrant en contact avec les hommes et les femmes qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. By getting in touch with men and women who saw the hands of God in their lives. Vous avez pris 60 jours à contempler l'œuvre de Jésus dans les vies. You took 60 days beholding the work of Jesus in their lives. Ne soyez pas des faux témoins. Do not be false witnesses. Il vous est impossible. It is impossible. Je dis, il vous est désormais impossible. It is henceforth impossible for you. Que vous n'avez pas vu la main de Jésus. To say that you have not seen the hand of Jesus. Dans la vie des hommes. In the lives of men. Et vous avez vu cela pour quel but? And you saw this for which reason? Lis Philippiens chapitre 4 verset 9. Read Philippians 1 verse 9. Là où vous êtes, where you are, vous êtes capable de tout ce que vous avez vu, et c'était en pleine lumière. And it was in full light. Oui, lis. Philippiens chapitre 4 le verset 9. Ce que vous avez appris, ce que vous avez appris, that which you learned, reçu, ce que vous avez reçu, that which you received, Et entendu de moi. And heard of me. Et ce que vous avez vu en moi. Et ce que vous avez vu en moi. And that which you saw in me. Pratiquez-le. Pratiquez-le. Practice it. Ça c'est le sens simple de l'impartition. This is the simple meaning of impartation. L'impartition. Impartation. Peut se faire. Can be done how? On te dit, regarde. They tell you, si tu as vu, c'est fini. Watch, and if you have seen it, it's over. Pour donner à Moïse la capacité de construire le tabernacle. To give to Moses the ability to build the tabernacle. Dieu n'a pas utilisé un long discours.
God did not use a long discourse. Il l'a amené à la montagne. He took him to the mountain. Il lui a montré un modèle. He showed him a model. Il lui disait, regarde bien. And he told him, look well. Regarde bien. Watch well. Dès que tu as bien regardé, as soon as you have watched well, que tu le veuilles ou pas, whether you want, you like it or not, tu es déjà capable. You are already able. Tu as déjà les partitions. You already have the impartation. Dès que Dieu te dit viens, as soon as God tells you come, regarde et vois, look and see, estime-toi déjà heureux. You should feel yourself happy. Estime-toi heureux. You should feel happy. Si on t'a envoyé en Côte d'Ivoire ici, if you have been sent here in Côte d'Ivoire, tu étais tranquille dans ton coin, while you were there silent in your corner, on t'appelle, and you have been called, on y va en Côte d'Ivoire. There's a go to Côte d'Ivoire. Tu arrives. You come. Tu vois ton frère Boniface. You see your brother Boniface. Lui-même ne sait pas ce qu'il faut faire. He himself does not know what to do. Dieu lui dit, ce n'est pas difficile. God told him it's not difficult. Appelle les gens. Call people qui ont été touchés. Who have been moved. Qu'ils viennent. Let them come to speak to them. Et on a fait 60 jours. And we spent 60 days. Vous avez vu. You've seen. Vous êtes capable. You are now able. C'est Dieu qui vous a montré. It's God who showed you. Vous savez ce que j'ai fait. You know what I did. J'ai refusé de m'attacher à vous. I refused to be bound to you. Quand je venais, when I was coming, un grand signe. Pas d'embrassade. No hugging. Fais comme ça. Do like this. Il y avait un objectif à atteindre. I had a goal to reach. Vous n'êtes pas venu chez moi. You didn't come to me. Vous êtes venu chez Jésus de Nazareth. You came. Acclamation à Jésus-Christ. You came to Jesus of Nazareth. Clap offering to Jesus. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. C'est tout à l'heure. Bien vous embrasser. In a while, I'm going to hug with you. Parce que vous devez rentrer travailler. Because you should go back pour suivre le travail. Pas commencer, pour suivre le travail. To pursue, not to start, but to pursue the work. Frère, brethren, si tes yeux ont vu, if your eyes have seen, dis à toi, mais malheur à moi, ne t'abuse pas. Tell yourself, woe to me. Do not joke. Une sœur était ici. A sister was here. Elle vous dit qu'elle a vu deux anges qui sont descendus. She told you that she saw two angels. Elle ne dormait, elle se reposait parce que son mari repassait les habits pour aller à la réunion. She was taking a rest because her husband was ironing his clothes to go to the meeting. Si tu as vu cette sœur. If you have seen that sister. Tu as entendu ce qu'elle a dit. And heard that which she said. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Désormais. Henceforth, quelqu'un te prend et t'amène sous le lit. Somebody takes you and take you under the bed. Prophétiser sur toi. To prophesy on you. Faut tailler en pièces. You must cut to Jesus pieces. Christ. Cut to pieces, Jesus. Il y a un niveau où tu ne vois plus les hommes, tu vois les esprits. There's a level at which you don't no longer see men. Quand Pierre disait à Jésus de ne pas aller à Jérusalem. When Peter was plus Pierre. When Peter was telling Jesus not to go to Jerusalem. Satan était derrière. Satan was behind. Toute l'humanité attendait la mort de Jésus. The entire mankind was waiting for the death Tout of Jesus. Le ciel attendait la mort de Jésus. All heaven was waiting for the death of Jesus. Que quelqu'un vienne dire à Jésus de ne pas aller à la croix. That somebody comes to tell Jesus not to go on the cross. Nous connaissons son nom. We know his name. Arrière de moi, Satan. Get behind me, Satan. Lis. Read. Verset 9, ce que vous avez vu. Verse 9, that which you have seen. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Amen. Ce que tu as vu. That which you saw. C'est ça qu'on appelle l'impartition, que personne ne te trompe. Ce que tu as vu là. That's what we call impartation. Let no one deceive you. That which you have seen. Ne prie pas, Dieu, donne-moi la connaissance. Non, non, non. Do not say, oh God, give me knowledge. Si tu as vu qu'on se lève.
If you have seen that way, stand up. Si tu arrives là, tu te lèves. And you get there, you stand up. Vous aurez les mêmes résultats et même plus. You will get the same results. L'évangile de Jésus prospère. The gospel of Jesus is thriving. Il porte des fruits. It bears fruit. Lisez pour nous Colossiens. Read for us Colossians. Chapitre 1, verset 6, à partir du verset 6. Chapter 1 from verse 6. Commence même au verset 1 pour qu'on comprenne bien. Start from verse 1 so that we can understand it well. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, la parole de l'Évangile, the word of the gospel, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. L'Évangile est au milieu de vous. The gospel is in your midst. Et dans le monde entier. L'Évangile est dans le monde entier. And in the entire world. Il porte des fruits. L'Évangile porte des fruits. The gospel bears fruit. Et il va grandissant. Et l'Évangile va grandissant. And it goes growing. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Alléluia. Praise the Lord. Dis-je proclame. Say I proclaim. Que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. That the gospel of Jesus of Nazareth. Est dans ma vie et dans le monde. Is in my life and in the world. Il fait des progrès. It makes in progress. Il porte du fruit. And it bears fruit. C'est l'évangile qui va porter des fruits. It is the gospel that bears fruit is with you. Ce sont des, Dieu a programmé, c'est programmé. It is planned. Tu crois l'évangile. You believe the gospel. Il va demeurer en toi. It will abide in you. Il va faire des progrès en toi. It will make progress in you. Il va porter du fruit en toi. And it will bear fruit in you. Et c'est l'évangile qui te dit. And it's the gospel that tells you. Va. Go. Prêche. Preach. Chasse les démons. Cast out demons. Purifie les lépreux. And clean the lepers. Les morts, raise the dead. Brise les chaînes. Break the chains. Détruis les prisons. Destroy the prisons. Libère les hommes de la captivité. Release men from captivity. C'est le programme de l'évangile. It's the program of the gospel. Ce n'est pas ton programme. It's not your program. L'évangile ne joue pas. L'évangile est dans le monde. Lis à nouveau. The gospel does not joke. It is in the word. Read it again. Nous rendons grâce à Dieu. Lis le verset 6. Read verse 6. Il est au milieu de vous. Il est, l'évangile est au milieu de nous. The gospel is in our midst. Et dans le monde entier. Il n'est pas seulement au milieu de nous, il est dans les autres pays aussi. Hein. It's not, nous ne sommes pas les seuls. It's not only in our midst, but in the other countries, we dans are not the only one. Dans le monde entier. In the entire world. Partout où les gens s'attachent à l'évangile. Wherever people are bound to the gospel. L'évangile reste avec eux. The gospel remains with them. C'est un héritage. It's an inheritance. Tu le possèdes. You possess it. Lis. Read. Il porte des fruits. Il porte des fruits. It bears fruit. Ça ne dépend pas de toi. It doesn't depend on you. C'est la grâce de Dieu. It's the favor of God. Il t'a choisi. God has chosen you. Pour que tu sois participant avec lui. For you to be partaker with him. The doubt, ton doute, your doubt, n'est qu'une petite maladie, is a small dont tu dois guérir. You must be healed. Tu verras clair. You will see clearly. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que le doute s'éloigne de toi. Let doubt depart from you. Nous déclarons que le doute dans ta vie. We declare that doubt in your life. N'est qu'une petite maladie.
It's a small disease. Que nous chassons ce soir. And we cast it out this evening. Que nous chassons ce soir. We cast it out this evening. Et nous bénissons ton âme. And we bless your soul. Nous bénissons ton âme. We bless your soul. Que toute l'assemblée se tienne debout. Let all the assembly stand up. Vous vous restez assis. You remain sitting. Prions pour eux. Let us pray for them. Alam. Let us pray in tongues. Elisa masekumi. Gloria la semikamiani. Adonai sekumisa. Gloria sekumi. Elina belisa kumi. Zenika, Zenika, Yamasini, Adonai, Zekou, Zinai, Zekou, Zinai, Zekou, Adinai, Zekou, Adinaya, Adinaya, Semisa, Belinaye, Semisa, Adinaya, Adinaya, Semisa, Adinaya, Adinaya, Semisa, Adinia, Adinia, Semisa. Adinia, Adinia, Semisa. Gloria Balena, Gloria Balena. Adina, Semika, Recaparita Camina. Gloria, Gloria, Casemica, Rucale Madinai. Eli, Keria, Casa, 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 Tends ta main vers eux. Stretch your hand toward them. Père, say, Father, que ce qu'ils ont vu, let that which they saw, ce qu'ils ont appris, ce que leurs mains ont touché, that which their hand touched, ce que leurs oreilles ont entendu, that which they heard, les accompagne. Let it accompany them. Que ce soit leur impartition. Let it be an impartation. Impartition définitive. Definitive impartation. C'est écrit dans la Bible. Ce que tu as vu là, it is written in the Bible that which you have seen. Va le faire. Go and do it. Ce que tu as entendu, that which you have heard. Practice. Go and practice it. Ce que tu as appris, that which you have learned. Practice it. Dieu sera avec toi. God will be with you. C'est une promesse sûre. It's a sure promise. Tu as regardé avec fidélité. You watched with faithfulness. Tu as regardé avec foi. You watched with faith. Tu pratiques. You practice with faith. Tu auras les fruits. You shall have the fruit. Tu auras les fruits. You'll have the fruit. Tu auras les fruits. We'll have the fruit. Prions ensemble. Let us pray together. Que ce que tu as vu s'accomplisse. C'est ton impartition. Que ce que tes yeux ont vu ne te quitte jamais. C'est une impartition. Ce que tes yeux ont vu est une impartition. Ce que tes yeux ont vu est une impartition. Est une impartition. Ce que tes yeux ont vu, que tes mains ont touché, est une impartition. Qu'elle t'accompagne et qu'elle ne te quitte pas. Ce que tes yeux ont vu et que tes mains ont touché est une impartition qui ne te quittera jamais. Côté Kere Kalta Ramasinaka, Kere Taina Dana 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 Dana. Ce que tes yeux ont vu est une impartition qui ne te quittera pas. Ce que tes yeux ont vu est une impartition. Ce que tes yeux ont vu est une impartition. Ce que tes yeux ont vu est une impartition. Ce que tes yeux ont vu. Et tu n'es pas tissu. Ce que tes yeux ont vu et que tes mains ont touché, et tu n'es pas tissu. Ce que tes yeux ont vu et que tes mains ont touché, et tu n'es pas tissu. Veuillez vous asseoir. Get seated, please. Une parole que j'ai reçue. Ne permettez à rien d'étouffer l'impartition. Le flot sera grand à mesure que vous allez exercer. Résistez au diable, résistez au moi, résistez au monde. Je vous dis résistez.
que les besoins des hommes vous enlèvent le repos, que les besoins des hommes vous enlèvent la crainte des hommes, que le besoin des hommes vous enlève l'hésitation. Agissez, agissez, ne reportez pas. Amen. J'ai reçu ceci. Partez sans inquiétude. Je vous précède dans vos localités respectives et manifestez la foi. Manifestez la foi et vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire dans tout ce que vous allez entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, vous tenez debout. Les autres restent assis. Vous restez à place. Stand up, please. The others remain sitting. Alors que les photos agissent rapidement. Let the photographers. Le premier banc, tout le monde debout. The first line, everybody up. Ceux qui ont quelque chose à dire vont revenir. Those who have something to say will come back. Place aux photos. It's time for photographs. Si c'est bon, vous nous faites signe. If it's okay, you let us know. Allez vous asseoir. Go back to your seat. Si c'est bon, vous me dites que c'est fini. If you have finished, you let us know. Suivant. Next. Vous descendez. C'est fini, ça va, si c'est fini, vous le dites. Est-ce qu'un académicien en Côte d'Ivoire a quelque chose à dire? Do academicians have something to say? Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je bénis grandement le Seigneur. I greatly bless the name of the Lord. Pour la grâce qu'il nous a accordée, for the favor he granted us, de venir ici à cette académie, to come here to this academy, au niveau personnel, at the personal level, j'ai été visité, I've been visited, j'ai reçu le brisement des liens, I received the breaking of evil ties, tous les académiciens sont passés par le brisement des liens. All the students at the academy passed by the breaking of evil ties. Et vraiment, nous étions dans le besoin. And we were really in need. Nous étions vraiment dans le besoin. We were really needy. Le Seigneur a eu pitié de nous. The Lord had mercy on us. Nos liens ont été brisés. Our ties have been broken. Et nous sommes désormais libres. And from now on, we are free. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais raccourcir. There are many things to say, but I will cut it short. La première réalité ici en Côte d'Ivoire, the first reality here in Côte d'Ivoire, c'est la formation des disciples. Is the making of disciples. La formation des disciples est vraie. The making of disciples is true. Tangible. It is tangible. Vérifiable. It can be verified. Palpable. It is palpable. Oh, ce ne sont pas des histoires en l'air. These are not just stories. Et ça fait de l'église une église forte. And it makes of the church a strong church. Solide. Solid church. Les gens ont le même esprit. People have the same spirit. Les gens travaillent de la même manière. The people work in the same way. Ils utilisent les mêmes mots. They use the same words. Les mêmes attitudes. The same attitudes. C'est vraiment la formation des disciples. It is really the making of disciples. Amen. Amen.
Le deuxième aspect, the second aspect, c'est que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Is that God loves Côte d'Ivoire. Vraiment. Really. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Côte d'Ivoire is a blessed country. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Côte d'Ivoire is a blessed country. Vous êtes un peuple béni. You are a blessed people. Dieu vous aime. God loves you. Parce qu'il a envoyé vers vous. Because he sent to you le couple Meunier. The couple Meunier. Une bénédiction. It's a blessing. Une bénédiction. A blessing. Je suis en train d'arrêter un peu ma bouche. I am stopping a bit. Parce qu'il y a certaines pensées qui montent à mon esprit. Because there are some thoughts that come into my mind. Ce que nous avons vu ici en Côte d'Ivoire. That which we have seen here in Côte d'Ivoire. C'est une révolution. It's a revolution. C'est une révolution. It's a revolution. Ça va impacter le monde entier. It will impact the entire world. Ça va impacter le monde entier. L'autre It will impact the entire world. Donc la Côte d'Ivoire. So Côte d'Ivoire a commencé un travail. Has started a work. Dieu a donné God gave à notre ministère en Côte d'Ivoire. To our ministry in Côte d'Ivoire. Un aspect. An aspect. Qui va impacter le monde. That will impact the entire world. Tout le monde a besoin de ce ministère de lien. Everybody need that ministry. Le monde entier a besoin de ce ministère. The entire world need Toutes that les ministry. Églises ont besoin de ce ministère. All the churches need that ministry. Donc je me suis dit, so I told myself, peut-être le pasteur Boniface, maybe Pastor Boniface, bientôt il sera obligé d'aller de nation en nation, aller de nation very en nation. Soon, he will be compelled to go from nation to nation, from nation to nation, trésor to teach that great treasure que Dieu nous a donné. That God has given us. Donc ça c'est un aspect qui m'a beaucoup touché. This is an aspect that moved me a lot. Maintenant il y a la vie de l'église. Now there is the life of the church. Le temple ci. This temple. On ne ferme jamais les portes. We never close the gates. Le temple ci. This temple. Il y a toujours les gens qui sont en train de prier. There are always people dans who are ce temple, praying in this temple. Jour et nuit. Day and night. Jour et nuit. Day in les and day out. Les ministères sont en train d'être rendus aux frères. Ministries jour are being rendered to the brethren every day. Ça c'est une vie. This is a life d'église. Of the church. Donc mon souhait. So my wish. C'est que nous allons vraiment répercuter ça partout où nous allons rentrer. Is that we will go and transmit it everywhere we go. Maintenant l'autre aspect. And another aspect. Le peuple. The people. Vous les frères. You the brethren. Non, vous êtes gentils. You are kind. Vous êtes gentils. You are kind. Vous êtes vraiment gentils. You are really kind. Comment? How? Les dons. Gift. La nourriture. Food. Le service. The service. Frères. Brethren. Je pense aux sœurs qui sont là-bas à la cuisine. I think of the brethren who are there. The sisters who are there que le Seigneur les bénisse. May the Lord bless them. Que le Seigneur les bénisse. May the Lord bless them. Que le Seigneur les bénisse. May the Lord bless them. Que le Seigneur les bénisse. May the Lord bless them. Je pense, I think, aux jeunes gens, of the young men, qui ont été mis à notre disposition, who have been put to our disposal, pour prendre soin de nous, and take care of us. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je pense. I also think aux chantres, to the singers, leur façon de procéder, the way of proceeding. Ils travaillent longtemps avant que le ministère de la parole ne commence. They work long before the ministry of the word starts. Je me suis dit, I told myself, tout ça, il faut qu'on aille appliquer ça chez nous. All this, we should go and apply it there. Il faut qu'on aille appliquer ça chez nous. We should go and apply it. J'ai enregistré certaines chansons. I have recorded some of the songs. Nous avons un grand Dieu. We have a great God. Nous avons un grand Dieu. We have a great God. Nous avons un grand Dieu. We have a great God. Son nom c'est His name is Jesus. Nous avons un grand We have a great God. Nous avons un We have a great God. Nous avons un We have a great God. Son nom c'est His name is Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Donc avant que je n'arrive à Bertoua, before I get to Bertoua, la chanson là va arriver avant moi. The song Jésus will get there before me. Donc, nous avons campagne d'évangélisation ce dimanche. We have
an evangelization campaign, the coming Sunday. Il faut qu'ils apprennent déjà ça. They should start learning it. Comme ça, quand ils vont chanter, in this way, when they will sing it, le Saint-Esprit va me transporter d'abord. The Holy Spirit will transport me. Yes. Et quand je vais commencer, and when I will start, à tailler la pièce, cut to pieces. Jésus-Christ. Le chant a été modifié un peu. Au lieu de un grand Dieu, maintenant on dit le grand Dieu. Amen. Voilà. Nous avons le grand Dieu. Nous avons le grand Dieu. Nous avons le grand Dieu. Son nom c'est Jésus. Je suis en train de parler à mon nom, I'm speaking in my name, au nom des académiciens, and on the behalf of the students of the academy, but I believe que je ne peux pas tout dire. That I cannot tell, say all. Nous avons été bénis. We've been blessed. Nous avons été bénis. We've been blessed. Bénis. Blessed. Bénis. Blessed. Les frères sont des bénédictions. The brethren are blessings. L'autre dimanche, je suis allé à Crècheville. On Sunday, I went to Crècheville. Et là, there, j'étais en train de dire aux frères, I was telling the brethren, que l'une des grandes bénédictions, that one of the great blessings, quand tu rencontres ton frère, when you meet your brother, sois béni, be blessed, sois béni, be blessed. Et je leur disais, and I was telling que them, quand quelqu'un se lève le matin, when somebody gets up in the morning, le diable a déjà des plans contre lui, the devil has already the plans against him. Il sort de sa maison, he get out of his house, il rencontre un frère, he meets a brother, dès que le frère dit sois béni, as soon as brother tous says, les plans blessed, de Satan sont annulés, all the plans of Satan, tous les plans de Satan sont annulés, tous les plans de Satan, all the plans of Satan are cancelled. Because the brother said, be blessed. Jour, first day, j'ai dit à mon frère qui est à côté là, one day I talked to my brother, il faut que je compte combien de fois, I must count how many times de fois quelqu'un a dit sois béni. I must count how many times somebody told me, dit, be blessed. Compter combien de fois toi-même tu as dit sois béni. And he said, he told me, you also must count how many times you said to other people, j'ai, be blessed. J'ai commencé. I started. À un certain moment, at a certain time, j'étais déjà, ça m'a dépassé. It was above. Donc je n'ai pas pu donner le chiffre de sois béni parce que c'était à tout moment. Because so I could not give the number of. Be blessed because frère, at any time, frère, brethren, je vous assure, I assure you, vous êtes un trésor pour toute la CMC. You are a treasure. Bon, maintenant je vais dire ce que je ne voulais pas dire. Je voulais dire au frère Boniface, I would like to tell brother Boniface, que là où tu es là, that where you are, je ne voudrais pas te comparer au frère Zach. I do not want to compare you to brother Zach. Mais je t'assure, frère. But I assure you, brother, Dieu t'a donné un ministère, God has given you a ministry, qui va envahir toute la planète Terre. That will invade the entire planet Earth. Il est impossible d'arrêter ça. It's possible to stop it. C'est impossible d'arrêter ça. It's possible to stop it. Ça c'est un ministère. This is a ministry qui va envahir toute la planète. Invade the entire planet Earth. Et qui va accélérer. And that will accelerate l'accomplissement de notre but. The accomplishment of our goal. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord abundantly. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse abondantly. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Sois béni. Be blessed. Sois béni. Be blessed. Sois béni. Be blessed. 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 Béni. Béni. Be blessed. Béni. Béni. Be blessed. Oh Père, nous te recommandons ton serviteur. Nous te recommandons ton serviteur.
Lord, we entrust you with your servant. Pour tout le bien qu'ils nous ont fait, pour tout le bien qu'ils sont en train de faire à ton peuple, bénis-les en retour, bénis-les en retour, bénis-les en retour, bénis-les en retour. Amen. 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 Soit loué, soit loué, soit loué, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Parce que je suis encouragé. Je ne suis plus qu'encouragé ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Let us clap for the Lord Jesus. Et là, je me tiens là au nom de l'Adjamé. I stand here on behalf of the Church of Adjamé. Vous savez que l'académie s'est passée à Adjamé. You know that the academy took place in Adjamé. Et nous avons été durant les 60 jours avec nos académiciens. And we've been with our students in the academy all along the 60 days. Alors les frères se sont dit, il serait bien que chaque académicien parte avec un souvenir d'Adjamé. The brethren, told themselves that it will be good for each student at the academy to go back with a memory from Adjamé. Si tu es venu de l'international, tiens-toi debout, s'il te plaît. If you are from abroad, stand up. Merci beaucoup. Thanks a lot. Voyage du décollage à l'atterrissage, ils arrivent chacun à destination sain et sauf. Let us pray that the brethren travel from the taking off to the landing and that they travel safe and sound. Prions ensemble. Let us pray together. Amen.